النقطة الثالثة، الصلاة تنظم الحياة اليومية. الصلاة تنظم الحياة اليومية. المصلي تراه كل أعماله منظمة، كل أشيائه منظمة، تراه هو إنسان منظم، إنسان منظم ومنظم. الله أكبر. وكل ما يفعله وكل ما كل ما تراه هو إنسان ما شاء الله. الصلاة هو الذي علمته ذلك الأشياء، علمته ذلك النظام، لأن الصلاة تنظم الحياة اليومية، تراه يعيش حياة منظمة. فالصلاة تنظم الحياة اليومية. La prière, troisième point de comment dirais-je, les avantages de la prière, on a la prière organise la vie quotidienne de l'être humain et renforce sa volonté. La prière organise la vie quotidienne de l'être humain et renforce sa volonté. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On ne peut pas imaginer comment est bon. Allahu Akbar. La prière est une obligation permanente qui instille la discipline et l'organisation dans la vie de l'être humain. De l'être humain, al-musalli, de l'être humain, al-musalli, le priant, celui qui prie, la prière lui donne l'organisation de la vie. La prière l'enseigne comment il doit vivre, comment il organise sa vie quotidienne. Parce que tant qu'il ne prie pas à l'heure, il n'est pas à l'aise. Tant que la prière, si l'heure de la prière arrive, même si toute chose qu'il est en train de faire seulement, il laisse ça tomber et puis il prie. Après la prière, il continue. S'il ne prie pas à l'aise, il n'est pas tranquille, il n'est pas à l'aise. Il fait chaque chose à sa place, à son temps. C'est la montre. يؤكد أو تؤكد الآية تقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. La prière a été prescrite pour un temps, pour un moment précis. La prière a un moment précis, a un moment donné. Si un musulman respecte ses lèvres, ses temps, ses moments, sa vie même, la prière va lui enseigner de respecter sa vie, d'organiser sa vie, de respecter ses rendez-vous et autres. C'est là, c'est min fawa'id as-salat. Allahu Akbar. C'est pour cela qu'il dit, la prière est une obligation permanente qui instille la discipline et l'organisation dans la vie de l'être humain à qui elle permet de se tenir à l'écart. Par la prière, il peut se tenir à l'écart de quoi? Il peut se tenir à l'écart des préoccupations de ce bas monde. Allahu Akbar. La prière, par la prière, l'être humain ou bien un musulman qui prie, qui respecte la prière va le faire à se tenir à l'écart des préoccupations de ce bas monde. Allahu Akbar. Et va avoir la paix du cœur. Allahu Akbar. Quatrième point. Nuktatu arabia. As-salat mufidatu lissihati al-jism. As-salat mufida lissihati al-jism. As-salat tusalli taqoum tarqa wa tasjud wa tasqud wa taqoum من الركوع وتذهب إلى السجود. هذه الحركات وهذه الأمور يؤتيك أو تؤتيك ماذا؟ الصحة الجسمية، تؤتيك الصحة للجسم. لذلك الصلاة مفيدة للجسم. الصلاة تؤتي المصلي أو تؤتي الإنسان
siyatan gitsin. Allahu akbar. Quatrième point, la prière est bénéfique pour la santé du corps. La prière donne la santé du corps. Dit les mouvements de la prière renforcent les muscles et les os et les articulations du corps, et les exercices physiques aussi permettent d'être en forme. Allahu Akbar. Le priant, celui qui prie, il fait quoi? Quand il rentre dans la prière, il rentre par quoi? Par Allahu Akbar. Takbiratul Ihram, il rentre dans la prière. Il commence à réciter. Il commence à réciter. Il fait des mouvements. Ruku, les prosternations, les sujoud, les ruku, les inclinaisons, les prosternations, les invocations à faire, les mouvements, tous les mouvements de la prière renforcent les muscles, ils renforcent les os, ils renforcent les articulations. Et dans la prière aussi, on a des exercices physiques. Les exercices physiques permettent d'être en bonne forme. Ça, c'est mérite de la prière. C'est mérite de la prière. Tout cela, c'est d'être en bonne santé, c'est la prière. Ça, c'est formidable. C'est formidable. C'est génial. Allahu Akbar. Cinquième point, as-salat tu'azziz al-wa'y al-mushtarak. Comment? Oh. As-salat kif tu'azziz wa'y al-mushtarak. As-salat la ta'rif al-ghani dun al-faqir. ولا تعرف المرأة دون الرجل ولا تعرف اللون الأسود دون اللون الأحمر ولا تعرف أي شيء. الصلاة يعني يعزز أو تعزز الوعي المشترك. La prière renforce la conscience commune. La prière renforce la conscience commune. الله أكبر. La prière génère la solidarité au sein de la société. La prière génère la solidarité au sein de la société et entraîne le rassemblement de tous les fidèles sans aucune considération d'ethnie, de couleur, de langue ou de pays.